Andjok, bonsoir. Bonsoir à vous. Ancien chargé de la communication à la Ligue de football. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous sur l'évolution du championnat camerounais? La lecture que je fais sur le championnat camerounais, c'est que on assiste à une élimination profonde du nouveau club. Je suis déjà content que le président de New Star, Faustin Ndomke, ait remporté la Coupe du Cameroun et qui est, disons, le nouveau visage à la vice-présidence de la Ligue de football professionnel. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a eu des perturbations d'ordre financier tout au long de la saison. Mais je pense que les responsables de la Ligue de football professionnel vont corriger le tir cette saison pour qu'il y ait des moyens financiers. Et aussi, par rapport aux awards, je pense qu'il faudrait vraiment refaire un peu ça. On a constaté, pour nous qui avons regardé la télé, parce que je n'étais pas au Cameroun pendant qu'on organisait ces awards, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de luminosité, on a vu qu'il n'y avait pas, on peut dire ça, beaucoup un sens organisationnel par rapport à ce qu'on avait eu les années précédentes. Donc il faudrait que cette année, la Ligue de football professionnel regarde un peu ces awards du football. Et on a noté aussi que beaucoup de journalistes, étant aussi sur Yaoundé, n'ont pas pu faire le déplacement. J'ai eu des échos à l'étranger. C'est pas normal parce que c'est la presse sportive qui fait le football au Cameroun. Et je pense que ce soit la presse du Nord, que ce soit la presse du Littoral, de l'Ouest, du Centre, du Sud et de l'Est, c'est le moment pour eux, pendant ces avoirs, de couvrir et de manifester un certain nombre de choses, notamment le sens professionnel qu'ils ont toujours gardé. Donc, il y a des choses qui ont été faites de manière positive au niveau de la Ligue de football professionnel, mais je pense que cette saison, il y a aussi des choses qui n'ont pas, ces petits couacs-là qui sont venus un peu ternir un peu la belle fête de la Ligue de football professionnel. Mais je pense qu'il y a toujours du bon à la Ligue, il y a des gens compétents, il y a des présidents de clubs. C'est l'occasion pour moi de féliciter ces présidents de clubs parce qu'ils prennent de leur argent, ils prennent de leur argent pour financer un peu le championnat, c'est pas évident. Ils prennent de leur argent pour financer le championnat. Et il faut leur dire vraiment merci parce qu'ils le font eux-mêmes. Il y a aussi la Ligue de football qui octroie les subventions à travers l'État. Ils ont aussi eu un sponsor majeur, une entreprise de téléphonie mobile. Cette dernière aussi apporte sa modeste contribution. Mais chaque année, la Ligue doit monter en puissance. Donc pour cette année, je souhaite le meilleur pour la Ligue de football professionnel. Je souhaite que les joueurs soient au centre du football. Je souhaite que les présidents de clubs aussi continuent et qu'on leur appuie à financer leur club. Que l'État du Cameroun puisse continuer à aider. Que véritablement... Le président général Semeng et son vice-président et sa secrétaire générale continuent de faire un bon travail et que vive le football camerounais et qu'à l'aube de la CAN 2019, que nous ayons un meilleur championnat pour la saison prochaine. Armand, les sponsors, les sociétés du Cameroun sont absentes dans le sponsoring du football camerounais. Alors, un mot à leur égard. Oui, chers sponsors, ce que je peux vous dire simplement, c'est que l'État du Cameroun a mis à votre disposition un espace formidable. L'espace formidable, c'est quoi? C'est les terrains d'entraînement pour la dernière CAN féminine qui font augure de terrains de jeu pour la Ligue de football professionnel, pour les équipes. Il y a un espace assez florissant. Vous avez des chaînes de télévision comme la CRTV et Canal D'équipe produisent